250 jeunes sont formés sur une période de 3 mois dans le domaine des métiers d'aide à la personne. Cette initiative de l'entreprise Easy Work s'inscrit dans le cadre de l'école de la deuxième chance, supervisée par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces jeunes seront placés dans les entreprises, seront placés dans les ménages, dans les institutions, pour apporter la vie, la facilité à des personnes à faible mobilité, à des institutions dans la propriété. Ces jeunes se sentent heureux et reconnaissants pour cette initiative entreprise par le ministère. C'est une deuxième chance que l'État leur donne de pouvoir s'insérer professionnellement. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est très grand parce que parmi 1700 personnes, j'ai été retenue. Ce n'était pas évident, mais j'ai quand même été retenue. Je dis merci au ministère de m'avoir retenue et d'avoir organisé cette formation. Tout le monde peut s'essayer au boulot maintenant. Il y a la possibilité d'exercer des métiers qui jusqu'à là n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et n'hésitez pas à prendre des renseignements. Sur les 1700 jeunes qui ont manifesté leur intérêt, seuls 250 ont été sélectionnés pour bénéficier de la formation. Ce renforcement de capacité se déroule dans les communes de Cocody, Port-Boué et Yopougon.